dire qu'il y a moins de lumière. On fait une salle de traite idéale, c'est-à-dire un truc où c'est impossible. Avec des lumières éteintes, des tuyaux. Et tu vois, le réalisateur, il fait aussi accessoiriste. Ouais, ouais. Faire des économies maintenant, de toute façon. Ah, mais c'est ça qu'il faut faire, putain. Qu'est-ce qui va toucher? Wow. Ah oui. Referme-le vite fait, hein, qu'il tienne, mais qu'on est juste à... Voilà. Nickel. On a pu faire ça de nuit, en plus. Hein. Tu vas pas les faire venir à 7h du matin. S'il y a une vache qui chie sur Damien, tu filmes. D'accord. Ok, t'oublies pas. Hein. D'accord. On a, c'est ce qu'on a dit. Je vous entends. Hein. Ah merde. Pas trop non plus, pas exagéré. Et si le gaz avant la gueule, non, on la garde. Ah oui, on la garde. Ah ben ça serait idéal. Si tu tombes vraiment, tu bouges plus. Parce qu'on va enchaîner. Si jamais, mais tu vas pas tomber, Jules. T'inquiète, monsieur. Mais non. Allez, viens. Donc là, vas-y. Vas-y, Jules. Ouais, il va t'engueuler. Allez, vas-y. Tu viens, donc t'es là avec tes bidons. Non, tu continues, tu l'emmènes au veau le lait. Là, allez, tu viens là avec les bidons, tu galères. Voilà. Et voilà. Et après, tu reviens. Et on va le faire plusieurs fois comme ça. Ok, okay. Lève ton pantalon, Jules, derrière. Allez, les gars, attends. C'est quoi ton temps? Le temps que tu veux qu'on ait. Ah, on va éteindre. Non, non, c'est bon. Moi, je l'ai pas dans le micro là. Ok. De toute façon, je mettrai le son de la traite. Hein. Ok. Alors, allez, action! Jules, s'il te plaît, tu peux me prendre le bidon là, et l'envoyer au bout tout de suite. Là. Okay. Et essaye de le faire vite parce qu'on a vraiment une grosse journée aujourd'hui. Stop! Remets le bidon. Mais Jules, tu fais la même, c'était parfait. Mais je fais avec nous? Non, la même! On refait pareil. Je crois que tu as déjà dégoûté avec des lignes, mais t'as vu une vina à la fin. T'as raté ton bac? Ouais! Eh, tu veux ton bac? c'est bien, en plus, on a le sol qui brille bien, là, qui est bien, bien mouillé. Et Jules, c'était parfait, hein, sans déconner, c'était exactement ça. Ouais, on la refait. Allez, vous êtes... Et action! Jules, s'il te plaît, tu peux me prendre le bidon de lait qui est là et la porter au bout tout de suite. Hein, et essaye de faire vite parce qu'on a une grosse journée aujourd'hui. Ok. Mais moi je vais utiliser ça. T'es trempé? Non, pas vu. C'était viral? Non, c'est bon. Dis-lui quoi? Merde, mais c'est pas méchant. Mais non, mais je sais que ça, moi. Mais je disais ça. C'est con que t'aies pas du lait dedans. Ah oui, si merde! Ah oui! Ouais, mais je sais pas si on voit l'image. Et on apprend que tu mets une couleur un petit peu. Ah bah, bon, attends, ouais, montage. On est quoi? C'est pas de Spielberg. Je le reprends et je le retrouve par terre en fait, avec le bidon par terre, tu vois. Ça me fait mon accident, en gros, il est tombé, il a glissé. Ça marche sans montage. Ouais, mais Damien, il intervient pas du tout. Si, là, c'est là, après, quand j'engueule Jules quand il est à terre. Hein. Ouais. Et là, Damien arrive. Genre, mais bah, alors les gars, qu'est-ce qui se passe et tout. Et là, tu te relèves et tout. Et moi, en fait, je vais l'utiliser parce que ça fait hyper... Il faudrait qu'il soit, quand on attaque, qu'il soit déjà comme ça. Et ben, tu fais tout. Bougez pas, les gars. Ah ouais, monsieur fait du ciel. Allez, ah bah, bon, c'est nous d'arriver. C'est un acrobate. On se met bien dessus. Allez, on essaye. Voilà. Donc là, oui, c'est bien. C'est bon. Ouais, là, c'est blanchi. Super. Attends, que je me calme. Dernier moment, quoi. Ouais, dernier moment. Et l'autre, tu peux faire la doublure juste pour le lait. Je dois faire quoi? Le jeter par terre? Ouais, pas tout. En mettant un peu là. Quand je me prépare. Fais pas mal. Donc là, en fait, tu fais comme si tu tombais, mais tu sais, tu peux y aller. Et surtout, si le bidon il part. Quoi. Et on enchaîne tout de suite. Hein, Julien. Oui.
Bah, dès que je le vois, c'est à Vince. Bah, écoute, pour moi, c'est bon, ça tourne. Allez, on essaye de la rentrer dans la boîte directe. C'est chaud là, c'est grosse séquence, cascade. Allez, Jules, action. Oh, mais Jules, qu'est-ce que tu fais? Oh, je te l'ai dit, on n'a pas ça à faire aujourd'hui, vraiment. Hyper bien. Ça sert à rien de partir de la France. Le dernier, on va simplement analyser. Oh, ça putain! Ah, elle a cru qu'elle avait fait pipi. Hein? T'as cru qu'elle avait fait pipi? Ouais, j'ai senti un truc, mais c'était pipi. Et l'eau, elle m'a dit, il faut que ce soit propre. Et là, c'est bien? Ça c'est propre, nickel. Tu pourras revenir ce soir. Donc, est-ce que tu te souviens que... Là, il faut que tu sois vraiment dans le sol, là, par contre. Hein? Parce que pour devoir être tombé, là. Désolé. Au vu. Ah oui, c'est bien, tu vois, t'es bien dedans. Là. Non, Tu t'es tombé, donc t'es tombé, t'es sur le côté comme ça, avec ton bidon quoi. Sur ce plan-là. J'ai la main dessus quoi. Ouais, t'es genre un merde, et puis t'es là genre. Ah, t'as mal quand même, t'es rentré. Allez, vas-y, Jules. Vas-y, Jules. On est safe. Super. Allez, action. Oh, mais Jules, qu'est-ce que tu fais? Je te l'avais dit, en plus, on n'a pas que ça à faire aujourd'hui. Wow, qu'est-ce qui se passe là? On se calme. Ben voilà, il est tombé et 20 litres de lait par terre maintenant. Mais c'est peut-être pas que de sa faute. Ça sert à rien de chercher les responsables. Bon, on va analyser concrètement tout ça pour savoir ce qui se passe, d'accord? Et puis pour éviter que ça se reproduise. Allez, viens manger. Ça va? Oui. Ouais, ça, tu t'es pas fait mal? Non. Bon. On la prend pour moi? Putain de sa mère. Vincent. Ouais. Ouais. Ah, il y a eu pipi? J'ai pas trop compris, je me suis dit c'est dans la scène ça. Merci Julien. Ah, il y a eu cascade pipi sur Damien presque. Ah, j'ai loupé. Ouais, bon ça y est, la cascade. Jules l'a assuré, il a fait la cascade. Bon, il a foutu du lait partout. Ouais, ça sera retiré de son salaire. Attention, c'est la douche. C'est vestiaire. Nous sommes donc dans un vestiaire, n'est-ce pas, de foot. Chacun prend sa douche. Le vestiaire. Alors voici le vestiaire de l'ASC Castambert. L'ASC Castambert. Donc là, tout le monde peut. Les gars, ne filmez pas, ils sont à la douche. Ok. On enchaîne. C'est super, Jules, merci, c'est top. Bon, alors on va analyser simplement. Ah, c'est la chose. Voilà. Ça va, elle a pas chié. Bah oui, ça sent bien. Je sais pas. Moi, t'as picolé, t'as chargé, c'est le premier du matin. Non, t'as bouffé chinois hier. T'as bouffé chinois, mais c'est en vert. Allez, bon, allez, alors. Tu m'as fait mal. Allez, action. Ça va, Jules? Tu t'es pas fait mal? Non, c'est bon, ça va. Bon, on va analyser tranquillement, d'accord? Déjà, on court pas, comme à la piscine, hein? La distribution du lait, ça peut attendre après la traite, non? Oh, mais c'est pas pareil, c'est plus compliqué quand même. Mais les veaux, ils vont pas partir. Oui, c'est pas faux. Et c'est quoi cette tenue, Jules? En basket? T'es venu en basket? Ouais. Surtout que t'as une cote et une paire de bottes. Voilà. J'ai pas étendu ma pièce, maintenant. Non, écoute, t'es costaud, je n'ai pas de costaud, mais les vidons, ils sont super lourds, on est d'accord. Et puis, vous arrêtez de le stresser. Bon, après, c'est comme ça qu'on apprend le métier, on est tous passés par là. Oui, mais là, on n'est pas aux pièces. Oui, c'est bon. Voilà le nouvel animal de la ferme. Une chèvre. C'était pas prévu du tout. C'était prévu d'en avoir, mais plus tard. Et l'autre jour, on est parti chez quelqu'un. Et il nous l'a donné. Donc apparemment, elle est pleine. Donc on lui cherche une copine. Pour l'instant, on l'a mise ici avec des veaux.
Parce que moi, c'est barricadé et puis elle n'est pas toute seule. Parce que les chèvres, ça n'aime pas être seule. Donc, il faut qu'on lui trouve une copine. Donc, c'est Clochette. Tu viens ? Allez, on va préparer la mise en dépôt. Allez, on va mettre ça là-dedans. Vous n'appuyez pas sur un bouton ? Viens pas. Il n'y a pas de trois carrés. C'est quoi ? Tiens, regarde là-bas. Donc, filme papa. Papa est en train de filmer, j'ai filmé ton tracteur. On va lui donner à manger à la chèvre ? Oui. Ok, on va aller voir là-bas. Bon, hier j'ai acheté ça aussi pour la chèvre. Donc ça fait bovin, caprin, veau. Voilà, c'est du minéral. On peut utiliser ça en bio. Donc je vais donner ça là-bas. Les chèvres apparemment, ça a besoin de minéral. Donc voilà, ça c'est pour les veaux. Et pour les chèvres, elle est où l'aliment chèvre ? Là. On a pris un petit peu. On va lui donner un petit peu. On a trouvé ça chez Agrial. C'est de l'aliment pour les chèvres. Donc, donner un petit peu aujourd'hui. Et en même temps, il ne faut pas trop leur donner d'aliments apparemment. Donc, j'ai demandé conseil à des éleveurs de chèvres. Donc, on va essayer ça. On va lui donner. Hein, Sarah ? Allez, on va donner ça au veau. Et puis ça, à la chèvre. Bah alors, ça te plaît ? Alors, Clochette, bah alors, qu'est-ce que tu fais, toi ? Laisse-la tranquille, voilà. Mais elle lâche pas. De quoi ? Il arrête pas de lécher mes bottes. Bon, c'est pas grave. T'as eu peur, ma Vivi. Salut, Clochette. Calme-toi. T'as peur? Bon. Moi, je suis pas léché, hein. Et oui. Qui c'est? Il faut pas avoir peur. Il t'a déjà vu comme quoi. Ça, c'est pour toi. Et même pour les veaux. Faut que tu lâches. N'aie pas peur. Mercredi, 13h45. J'arrive de la maison, là, j'étais au chaud. En fait, il y a du soleil, mais il fait pas si chaud que ça dehors. Ils ont dû reprendre le tournage parce que j'entends le tracteur. Là-bas, on va aller voir ce qu'ils font. Bon, ça y est. Paparazzi. Vous savez que quand des fois on dit qu'on est dans la merde... En plein dedans. Ce n'est pas qu'une image. Ah, c'est plus sportif ça. Hein, tu prends des risques là. Hein, ouais, là, c'est, t'as vu, métier dangereux. Hein. Y a pas que Jules qui fait des cascades. Si je me mets là, elle va avoir peur. Pas sûr. Si on laisse ouvert, tu fermes celle-là. Tu fermes là. Sarah fait assistante son avec Vincent. C'est quoi cette tête? Le domaine, t'as pigé? Ouais. Bon, eh ben allez, viens, on va aller chercher du bois. Non, je déconne. Allez, vendu. Qu'est-ce que tu fais? Non, on la supporte bien.
Elle avait il peur. Fait peur. Il fait peur. Allez, Damien, allez, encore demain. Non, c'est bon. Tu feras demain si tu veux. Ça va, les blanches. Oui, c'est ça, oui, t'es le nouveau stagiaire, c'est oui, ça. C'est ça. On a peut-être des papiers à signer du coup. Oui, c'est là. Voilà. Ok. S'il te plaît, je signe ça tout de suite. C'est une grosse journée aujourd'hui. On va pas traîner avec ça. Voilà. Et merci. Moi j'ai encore un vélage à faire. Hein. Ouais. Bon, comme on a fini assez tôt le tournage, Mathieu fait des photos. Bon allez. Vendredi, fin de semaine, oui encore ce week-end, mais aujourd'hui c'est beaucoup plus calme à la ferme. Il n'y a plus que Julien et moi, il n'y a pas de stagiaire, il n'y a pas de caméra, tout ça. Mais ouais, on va retrouver notre petit train-train. En plus cet après-midi, on s'en va, on vous emmène avec nous, on va au lycée La Touche à Plot-Armel, l'inauguration du pôle agronomie agroéquipement de l'école. Donc on a été invités, donc on vous emmène avec nous, on filmera un peu le matériel. Sinon, je voulais revenir sur le tournage qui a eu ici pendant 4 jours. Mais c'était une super expérience. Franchement, on a bien rigolé. Une super équipe de tournage. Donc Damien, Mathieu, Vincent. Ça nous permet de sortir de notre quotidien. Hein, parce que nous, à la ferme, on ne sort pas beaucoup de l'exploitation. Et là, c'est venu directement à l'exploitation. Donc, voilà. Donc ça fait des super souvenirs. Une super expérience. Donc à refaire. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Bah, c'est tout. Mais vos bras, je viens de me dire, c'est ouais, bizarre. Bah, j'ai du retard, j'étais avec l'ostéopathe. Et... Ah oui, il y avait l'ostéopathe pour la. Celle qui a vélé l'autre jour, là. Je trouvais bizarre qu'il y avait autant de bruit pour des céréales. En fait, c'est parce qu'il manque du lait. Aussi. Donc, celle-ci attend leur céréale. J'arrive, les filles, après. Allez, j'y retourne. Elle est très sage, notre vache, elle bouge pas. Ouais. Même pas de licole. Comme ça? Ouais. Je vais aller voir. J'arrive. Bah alors, twist. Je reviens, les filles, après. Attention, c'est fermé le robot automatique. Un peu de sport ce matin, ça fait pas de mal. On débarrasse un petit arbre qui était mort d'avance et qui est tombé avec un coup de vent la semaine dernière. Ça va, c'est un petit chantier, c'est pas un gros. C'est pour mais nous, ça nous empêche de faire passer les vaches. À tes souhaits. Pas de protection, lunettes. C'est pas bien, hein? Sécurité. Bon, allez, on va débarrasser ça. Je vous ai pas montré tout à l'heure l'ostéopathe parce qu'elle avait fini juste quand on est arrivé. Donc, on montrera ça une prochaine fois. Mais elle nous a rassuré, la vache au niveau du bassin, il n'y a rien de déplacé, rien de cassé. Hein. Autre chose. Si vous avez des questions à nous poser, posez-les nous directement. Posez pas la question à nos stagiaires. Parce qu'apparemment, il y a certaines personnes à l'école, dans les écoles, qui posent des questions à nos stagiaires. Donc, vous pouvez mettre en commentaire, hein, posez-nous directement la question. Hein. Il n'y a pas de problème. Et apparemment, on demande si on est pareil dans la vraie vie, dans la vraie vie que devant la caméra. On joue pas un rôle du tout. Hein. On est pareil tout le temps. On a l'air de jouer, là? Non, pas du tout. On est nature, ici.
Finito. Bon, le chemin est praticable, donc on n'a pas eu de pluie depuis quelques jours, donc c'est cool. Donc, elles peuvent venir ici au fond du village, c'est bien. Ah, elles sont contentes. Bon, on est le 3 février, pour info. Allez les filles. C'est bien, il fait sec. Allez les fifis. Il y a un petit peu d'herbe. C'est toujours ça. Allez les retardataires. On va nous économiser de l'air urbané. Mais s'il commence à faire beau comme ça, elles vont bientôt dormir dehors aussi. Donc ça va nous économiser aussi de la paille. Donc elles seront mieux dehors. Elles seront moins sales aussi. Comme quand elles dorment à l'intérieur, bah forcément, elles se salissent plus que dehors. Ça y est. Ah bah non, il en reste encore. Hop. Mais il y en a 44 en ce moment. Il y en a 4 taris aussi. Et au printemps, on a 6 génisses avélées. Voilà, il y aura du monde. Bah alors, Palinka ? Bah plus au fond, là-bas, il y a plus à manger. Allez, Piper! Recette! Allez! Recette la normande. Allez! Allez, Juanita! Allez! Ah, ben, il y en a une autre avec. C'est ravioli! Allez, ravioli! Allez, Juanita! J'ai pas vu Radija, tu l'as vu passer? Radija, non, j'ai pas fait gaffe à Radija. Oh bah tant pis. Radija, c'est celle qui a vu l'ostéopathe ce matin. Oui, bah elle est restée au bâtiment, elle a qu'à rester là-bas. Hein. Au repos. Nouvelle technologie. Récolter toutes ces adventices et par la suite de pouvoir mieux comprendre leur système de développement racinaire, etc. Ouais. Et du coup, bah, ça amène à savoir comment gérer leur propagation. Donc, trouver des piliers pour essayer. Nous, on est en bio, les mauvaises herbes, on connaît bien. On a tout ça. Maintiens alors. J'espère que j'ai bon. Hein. Un géranium. Un fumitaire, c'est pas son âge. J'ai appris ça à l'école comme vous. C'est du blé divers, la variété KWHFR, on a toutes les caractéristiques aussi. Mm-hmm. Donc, tout à l'heure, on a cette efficace de son lysine. Oui. Et donc, on met une dose de lysine dans le tube. Ouais. Et après, on met un réactif dans le petit bol. Après, on mélange, on referme le tout, on mélange pendant une minute et on a une réaction chimique qui se fait et on a un gaz qui se produit et du coup, ça fait monter le manomètre. Et plus le manomètre va haut, plus la teneur en azote efficace du lisier est présent, plus c'est élevé, quoi, ouais. La teneur. Hein. Oui. Donc, en fonction de ça, on arrive à savoir la dose qu'on pouvait prendre après sur notre parcelle. Par hectare, quoi. Et, donc c'était bien les petits jeunes. Ouais, c'est bien, on sort du pôle agronomie, on a vu un labo et la salle agronomie. Là. C'était vachement intéressant. Les élèves, ils ont présenté des plantes qui étaient disposées devant eux, là. Expliqué, présenté, voilà, les semis de blé qui ont été faits à l'automne, les mauvaises herbes qu'ils ont trouvées dans une parcelle. Moi, j'ai trouvé ça génial. Ils ont bien appris leur leçon, ils ont été bien accueillis. Moi, je connaissais pas trop, mais j'ai appris des choses. C'est vraiment sympa. Bravo les jeunes. C'est pour apprendre comment marche un moteur, c'est ça? Moi ça me donne envie de revenir à l'école. J'aimerais trop faire ça, moi j'ai pas fait ça à l'école. C'est bien leur truc là. Il y en a un deuxième là. Et ben. On voit tout un pont arrière de tracteur là. C'est chouette, hein. Ça va être chouette pour les élèves. On est trop vieux pour revenir à l'école.
et puis ils ont un beau bâtiment et tout. Ouais. C'est bien. Bon, il y a un beau Fendt aussi. Deutz, Fendt, Kaz. Il y a toutes les marques. Ça, c'est quoi? Bonne question, un embrayage peut-être. Un embrayage? Elle casse pas le truc, attends. C'est fait pour. Il y a une molette là. Ah oui, tu vois, c'est un embrayage. Quand tu appuies sur la pédale, il n'y a pas de transmission et quand tu relâches, ça tourne. Putain, c'est bien ça. C'est chouette, hein? Oh là là là. Ils ont plein d'outils maintenant, les jeunes. On a un différentiel. Ah, ça, c'est super intéressant. Un différentiel. Ouais. Ah, Julien, il aime bien la mécanique, mais il s'y connaît pas trop, mais bon. Moi, j'adorais les Lego. T'adorais les Lego. Un démarreur. C'est écrit dessus ou tu sais? Ça va, j'ai mais moi tu me montres ça, moi je sais pas ce que c'est moi. Il y a un alternateur. Bon bien sûr, on a notre stagiaire qui est là, Julie. Qui fait semblant de travailler comme d'habitude. Non, elle boit le café. Hein Julie, elle boit le café.